à perte de vue, des champs de maïs. 90 hectares qui, en y regardant de plus près, ont tous, sans exception, les pieds dans l'eau. Là, on peut voir des moisissures qui sont en train d'arriver, des champignons, en fait, sur l'épi, qui vont dégrader la qualité, du coup. Conséquence des fortes pluies de ces dernières semaines, des sols abîmés, des maïs gorgés d'eau et des semis d'engrais verts compromis l'hiver prochain. Si les cultures les plus précoces ont déjà pu être récoltées, sur cette parcelle juste en face, le constat est bien plus préoccupant. La récolte a ici 2 semaines de retard. Tout ça, ça a été des semis de toute famée, comme beaucoup. Et là, les rendements sont bien plus faibles. Des pertes, bientôt estimées par un expert pour permettre à Paul d'être indemnisé. Un jeune agriculteur qui, installé sur la ferme familiale depuis 5 ans, vit ses premières incertitudes. Je m'en suis toujours sorti grâce à plusieurs cultures aussi. Et grâce au maïs qui m'a toujours fait une référence. Voilà, là j'arrive dans ma première année où en 2025 je ne sais pas trop comment ça va. J'arrive pas à me projeter trop. Le maïs, une histoire d'eau, une culture qui souffre souvent d'étés secs et d'hivers trop pluvieux. Pour le président des Irrigants de France, il est temps de prendre des décisions. Dans tous les scénarios, on va avoir plus d'eau en hiver. Donc pour limiter les inondations, pour permettre notre production alimentaire, parce que dans toutes nos productions alimentaires, on a besoin d'eau au printemps et à l'été, une période où il va y en avoir moins, il faut, ce n'est pas la solution unique et universelle, mais il faut pouvoir aller au stockage de l'eau. Les producteurs de maïs comptent maintenant sur la météo ensoleillée des 15 prochains jours pour assécher les céréales et les terres et rattraper le retard accumulé.